Alors, pour le rock swing base cette semaine, on va voir le train. Donc la semaine dernière, on a fait un petit peu de Charleston déjà, avec danseur qui faisait son pas de danseur, danseuse qui faisait en danseuse. Hein, vous vous souvenez, on était comme ça, et on faisait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, on avait fait une demi-tour. Aujourd'hui, on va faire le train, donc c'est le Charleston. Pour les gars, c'est le même, mais les filles, il faut apprendre le Charleston avec le pied du gars. Donc sur le 1-2, les gars et les filles font le même pas, c'est le pied gauche. 1-2. Ensuite on fait jet et on vient poser devant au 4. Là, si on fait du 1 plus qu'au 4. 1-2-3-4. Le 5, on a un petit kick devant. 6, on regroupe. On fait à partir du 1. 1-2-3-4-5-6. Sur le 7. Un petit kick derrière, 8, on vient charger, et comme ça on peut reprendre au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est pour le pas du Charleston danseur, on pourra faire le train avec. Mais dans le train, il faut aussi un petit peu parler des bras. Donc les bras, il faut en fait les laisser aller dans le sens, comment dire, de l'équilibre naturel du déplacement des pieds. Donc quand vous allez reculer le pied gauche au moment du 1, c'est le bras gauche qui va venir devant. 1, 2. Et on garde le même pied derrière, donc le même bras devant. Ça c'est sur le 1, 2. 1, 2. Ensuite, on va venir changer avec 3, 4. On fait un 3, 4, on a déjà les bras. 1, 2, 3, 4. Si on reprend du 1, 1, 2, 3, 4. Sur le 5, on change. Et sur le 6, top, on revient avec les pieds au même niveau, donc les bras au même niveau aussi. Si on repart du 1 jusqu'au 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le 7, 7. 8 et on repart 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour le pas en solo. Maintenant, on va le faire ensemble. Donc le train, la position du train, c'est d'être comme ça, l'un derrière l'une. Et dans cette même position, on va le faire comme ça, à la même position, on va faire le même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous direz maintenant, mais comment venir dans cette position? On va le faire avec un tour à gauche danseuse arrêté par le danseur. Donc sur le tour à gauche, je vais lui donner au 2 pour qu'elle tourne sur sa gauche et je vais tout de suite venir changer la main. 1, 2, 3 et 4, ça c'est le pas de la danseuse. Et les gars, 1, 2, 3, 4, vous allez changer votre pas. 1, 2, 3, 4. Les danseuses au 5, quand elles font 5 et 6, habituellement, le 5, c'est pied gauche. Donc là, bah, c'est pied gauche aussi pour démarrer. 1, 2. Et là, on est parti pour le train. Donc l'entrée dans le train, elle dure 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va refaire une fois, dans le sens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je redis, les danseuses bien 3 et 4, les gars 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors une fois qu'on est dans le train, on peut le faire plusieurs fois, on peut faire deux fois, trois fois, mais il faut quand même sortir. Donc pour la sortie, on va faire comme si on démarrait à faire un autre train. 1, 2. Et ici, je vais passer le bras droit au-dessus de la danseuse. 4, 5, 6, 7,
8. Le pas pour la sortie, c'est un pas de Charleston danseur, c'est un pas de train qu'on fait pour les danseurs normales et les danseuses avec un demi-tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, pour les danseuses, on n'est pas sur notre pied habituel, il va falloir faire un petit et 8 pour terminer et on va pouvoir repartir pied droit. Et on fait un pied avec le et 8 des danseuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2. Pour les gars, c'est normal. Voilà, alors si on fait une fois entier. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2. Et voilà, de quoi s'entraîner en solo ou en couple si vous avez la possibilité.